Et yo tout le monde, c'est Aaron, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et aujourd'hui on va voir comment créer des spawners items pour les versions 1.13 ou plus. Alors j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps, mais c'était plus du bricolage, hein. Il fallait revenir en version 1.8 pour modifier le spawner, etc. Bref, c'était pas très efficace. Là on va voir ça avec une commande bloc, ça va être très rapide et très efficace. Donc là, c'est un spawner normal. J'ai décidé de mettre un diamant, vous pouvez mettre l'item que vous voulez. C'est parti pour le tutoriel. Alors, on va s'aider d'un site de générateur qui est Minecraft Tool, simplement pour faire tout ce qui est un peu plus les caractéristiques du spawner. C'est-à-dire dans quel rayon vous voulez que vos items spawnent, combien d'entités par X secondes, etc., etc. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, le lien est dans la description. Donc, vous allez sur le générateur de mobs sur Minecraft Tool. Ensuite, vous sélectionnez ici créer un mob spawner. Et ensuite ici, vous choisissez toutes les caractéristiques que vous voulez. Donc nous, on va pas s'embêter, on va prendre un truc basique, hein, donc c'est-à-dire tout ça. Vous modifiez comme vous voulez. Ensuite ici, vous prenez une entité, donc peu importe, on va la modifier après. Creeper par exemple. Donc ici, vous modifiez rien du tout. Voilà. Et ensuite ici, vous cliquez sur générer la commande. Pour venir sur les versions antérieures, vous cliquez ici. Et vous copiez tout ça. Voilà, on va coller ça dans un commande bloc qu'on va poser ici. Voilà, hop. On colle cette commande ici et attendez. Ouais, si on va le faire depuis le commande bloc. Donc je recolle. Et donc ici, vous voyez le spawn data, cette partie-là. Là. N'oubliez pas la. Voilà. Donc vous laissez l'accolade à la fin et ici vous laissez la virgule. Vous le supprimez. Et nous, on va prendre notre data pour l'item. Voilà, donc je vous le mets ici dans le chat, comme ça vous voyez. Donc c'est aussi un spawn data, et sauf qu'ici on va choisir un item. Par exemple, donc ici vous modifiez votre item. Donc pour changer, on va mettre iron ingot, par exemple. Ici vous choisissez le nombre qui spawn à chaque fois. Voilà. Donc du coup, vous n'avez plus qu'à copier ça et à le coller ici après la virgule. Hop, et vous vérifiez que votre commande est pas rouge. Si c'est le cas, c'est-à-dire que vous avez fait une petite erreur de virgule ou d'accolade. Et ensuite, vous avez plus qu'à faire apparaître. Alors là, j'ai mal. c'est pas moins 1, c'est 1. Hop, on va casser ça. Hop là. Voilà, maintenant il est là. Et du coup, vous voyez, on a nos items qui spawnent. Donc rien de très compliqué. Je voulais quand même faire ce tutoriel vu que c'est une méthode beaucoup plus efficace que celle que je vous avais déjà présentée dans la fameuse vidéo que je vous ai parlé en début de vidéo. C'est beaucoup de vidéos. Bref, voilà. Vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, ça fait toujours super plaisir. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une future vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine.